On est un peu comme une guilde des professionnels du jeu vidéo, ce qui veut dire qu'on va les accompagner, on va être facilitateur, on va leur permettre d'avoir des opportunités de business avec d'autres partenaires, que ce soit ici en Belgique, mais aussi ailleurs, en Europe, aux États-Unis et évidemment à La Réunion, hein, puisque c'est là où on va essayer de développer, sans oublier la région Afrique, puisque on est dans l'océan Indien, et ce qui veut dire qu'il y a énormément d'opportunités au niveau de l'Afrique du Sud, notamment avec Madagascar, Maurice, etc. Donc on a pas mal d'opportunités à ce niveau-là et on essaye Bouftang et du coup le représentant auprès des institutions de ces professionnels-là. La collaboration avec la Belgique, elle fait sens puisqu'en fait, nous, on a la chance d'être un département et une région de France et donc du coup, on est européen, on va dire, on est un petit bout, un pixel de l'Europe, mais dans la zone indienne-océanique. Donc du coup, ça nous permet vraiment d'être un carrefour de notre industrie en plein hémisphère sud, en fait. Donc ça fait sens. On va chercher du coup des coproductions entre nos studios et entre peut-être des studios belges, allemands, peu importe. En tout cas, j'ai rencontré Spiel Fabrik qui était très intéressé après ma présentation. Donc rien que pour ça, je suis content d'être là, d'avoir été invité. Il y a énormément d'opportunités maintenant à La Réunion. Il n'y a plus ce qu'on appelle l'isolation. Les conditions insulaires, elles sont de moins en moins vraies, surtout dans notre industrie où clairement le télétravail peut se faire. Il y a des studios maintenant qui se montent totalement à distance. Donc, j'ai envie de dire, c'est difficile, mais le fait que je sois là aujourd'hui, ça atteste quand même qu'on a vraiment des opportunités. Le fait qu'on a été à la GDC, à l'Africa Games Week, etc., ça veut dire que clairement, cet isolement-là, il est plus prépondérant dans le développement de nos industries. Donc là, on est vraiment là pour dire qu'il faut être optimiste et on peut travailler évidemment avec ces personnes-là. Meet and Build, c'est vraiment génial. En plus, les organisateurs sont des anges. Quitte à faire des plus petits events, plus quali, je lui dis, mais c'est exactement ce que je dis, moi, dans mes talks. Donc, je dis, mais non, mais c'est fabuleux, en fait. Moi, vraiment, je reviens l'année prochaine et l'année d'après, il n'y a pas de souci. Merci pour l'invitation, en tout cas.